Et c'est dans les conditions du direct et ce sont avec ces belles images et non l'inverse que nous démarrons cette nouvelle édition de Bonsoir le Béarn. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. 18h passées de quelques petites secondes et bienvenue à vous qui nous suivez sur la chaîne locale.tv. Vous savez que c'est sur ce site internet que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des émissions que nous réalisons depuis le début de Bonsoir le Béarn, que ce soit en mode confiné, 60 émissions non-stop ou bien depuis que nous avons repris la production de ce rendez-vous quotidien d'une heure maintenant, du lundi au vendredi avec toutes les équipes du groupe Créa Sud. Alors cette semaine d'ailleurs, il n'est pas trop tard pour vous inscrire, pour jouer avec nous du côté de notre grand jeu de l'été, le mur de la chance, que nous allons retrouver, ça y est, enfin, allez-vous me dire, dès demain jeudi, on va de nouveau jouer en direct et vous permettre de gagner la cagnotte des bons d'achat offerts par Pocommerce et par l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Une cagnotte qui demain aura atteint le seuil de 250 euros. Si vous voulez gagner 250 euros, vous vous inscrivez pour jouer à ce jeu sur le www.lachainelocale.tv. www.lachainelocale.tv, on reprend le cours des émissions classiques, je dirais, dès demain jeudi. Et on va rester avec vous, vous le savez, tout le long de l'été. Bienvenue donc si vous nous rejoignez pour cette émission spéciale de ce mercredi. On revit les grandes heures de la fête de la musique et des 7 heures de programme non-stop. 7 heures, vous imaginez, de 15h à 22h que nous avons réalisé dimanche aux quatre coins des rues de la ville de Pau où se produisaient de très nombreux groupes et puis sur des scènes également comme la scène du Palais Beaumont où nous nous rendrons d'ici à quelques petites minutes pour retrouver quatre tempéraments, quatre artistes piquantes à souhait, talentueuses réellement. Il s'agit des Muffins, un groupe de chanteuses pétillantes, drôles, aux compositions décapantes. Vous avez fait connaissance avec les Muffins en interview mercredi dernier, une semaine après. On va donc apprécier leur concert qu'elles ont donné alors tout à fait en fin de journée. Il était un peu plus de 21h. Elles avaient tourné les Muffins sur les camions plateaux de la ville de Pau auparavant. Et pourtant, elles ont trouvé le jus pour transposer au Palais Beaumont leur univers, qui est un univers qui mélange à la fois qualité vocale et puis qualité scénique. Parce que oui, ce sont de sacrées comédiennes. Audrey, Elsa, Fanny, Isa, elles sont toutes nourries d'expériences scéniques diverses. Elles ont une complicité sans faille, un solide sac à main musical. Le ton est donné. Dès le début du spectacle, vous allez le voir, on va se laisser dérider tout en douceur. Elles sont décomplexées en coulisses autant que sur scène. Les Muffins, qui allient élégance et humour, étaient en live au Palais Beaumont et sont ce soir en replay dans Bonsoir le Béarn. Allons-y, concert. C'est pas banal quand il faut choisir sa moitié pour pas finir sur des béquilles, faut sacrément avoir du nez. C'est pas banal. Oui, banal. Quand il faut choisir sa moitié pour pas finir sur des béquilles, faut sacrément avoir du nez. C'est pas banal. Oui, banal. Quand il faut choisir sa moitié pour pas finir sur des béquilles, faut sacrément avoir du nez. Mon premier du genre athlète, déjà marié à sa télé, il brille à toutes les compètes, en chaussons sur son canapé. Il enchaîne les tours de piste, il multiplie les exploits. Comme il est un peu alpiniste, il veut toujours m'escalader. C'est pas banal. Oui, banal. Quand il faut choisir sa moitié pour pas finir sur des béquilles, faut sacrément avoir du nez. Mon second est communiste, militant pour les opprimés. Il chasse les capitalistes jusque devant les cabinets. Il argumente, il insiste pour que je me syndique. Et comme c'est aussi un terroriste, voilà que je dois me faire sauter. C'est pas banal. Quand il choisit sa moitié pour pas finir sur des béquilles, faut sacrément avoir du nez. Mon troisième est un esthète, peintre plutôt endimanché. Il joue du pinceau en cachette pour les coucher sur le papier. Je suis pas la seule sur la liste, il faut que je le partage. Comme il veut jouer aux artistes, je vais sûrement me faire croquer. C'est pas banal. Oui, banal.
quand il faut choisir sa moitié pour pas finir sur des béquilles, faut sacrément avoir du nez. Mon dernier enfin est un homme, un vrai dur, un baraqué, qui en croit plutôt pour ma pomme, mais qui se laisse apprivoiser. Quand parfois il joue sincère, je me laisse baratiner, mais comme il veut bien être père, il voudra me faire un bébé. Attention, attention, oui ma fille, quand tu choisiras ta moitié de pas tomber sur un débile, un alpiniste canapé. Attention, attention, oui ma fille, quand tu choisiras ta moitié de pas tomber sur un débile, un alpiniste canapé. Attention, attention, oui ma fille, quand tu choisiras ta moitié de pas tomber sur un débile, un alpiniste canapé, un alpiniste canapé. Merci. Alors c'est un petit concert canapé ce soir. Faites de la musique sur canapé. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. Ça va, vous êtes bien installés? Nous, on aime bien aussi les concerts sur canapé, mais... Oui, toi, tu les as pas toujours vus en entier, Isa. Non, non. Isa, souviens-toi. Tant pis, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Tant pis pour toi, Isa. Qu'est-ce que t'as fait sur les canapés? Rien. Allez, on enchaîne. J'ai la nausée, je suis fatiguée, j'ai des envies de chocolat, de ravioli, de taboulé, d'un peu d'andy et de pâté. J'ai la nausée, je suis fatiguée, j'ai des envies de chocolat, de ravioli, de taboulé, d'un peu d'andy et de pâté. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es enceinte, fini l'absinthe. Tu es en cloque, fini les clopes. J'ai la nausée, je suis fatiguée, mais le docteur m'a dit qu'il n'était pas inquiet. Fais donc un test, on ne sait jamais. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée assise à pisser sur un test urinaire en plastique. C'est négatif, c'est négatif. C'est positif, c'est positif. Oups. Tu es enceinte, c'est pas une feinte. Tu sans équivoque. J'ai des envies de chocolat, de pain à l'ail et de gouda. J'ai pris en kilo, chut, pas un mot. Garçon ou fille, les bébés aspirent mon énergie. Je veux dormir, faire la sieste comme une vieille, pendant que d'autres s'émerveillent. Il n'est pas né le mouflet, pas de sexe d'identité, plus d'apéro de sortie, place à d'étranges débats. Car je vous le dis, c'est pas une mince affaire de trouver un nom à la chair de leur chair. Tu es enceinte, Lucas et Marc. T'es bien atteint, Charline, Sacha, tu es en cloque, Henri, Robert, pas ventriloque, Nicolas, Gilles, Antoine, Robert, Lucas, Emma, Chloé, Flora, Lucas, Emma, Chloé, Flora, Chloé, Emma, Chloé, Flora, Lucas, Emma, Chloé, Flora, Lucas, Emma, Chloé, Flora, Lucas, Emma, Chloé, Flora. J'ai la nausée, je suis fatiguée, j'ai des envies de chocolat, de pain à l'ail et de gouda. J'ai pris 20 kilos, oh c'est trop. Je ne sais plus comment m'habiller, car mon gros cul reste coincé dans mon 38 bien trop serré. Et j'ai des fuites quand je ris. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je dois manger. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es enceinte, fini l'absinthe. Tu es en cloque, fini les clopes. Les contractions nuit et jour, des vergetures tout autour, et de l'envie de pleurer et de vite en terminer. J'ai perdu les os, j'arrive à l'hosto, péridurale, je n'ai plus mal. Respirez, 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 respirez. Tu es maman, bientôt l'absinthe,
t'es plus en cloque, sans équivoque. Qu'est-ce qu'il m'arrive? 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 Ah oui, qu'est-ce qui m'arrive? Plein de belles choses. Bon, c'est la fête de la musique. On s'est dit qu'on ferait une chanson pour les bofs. Ouais. Honneur à tous les bofs. Ça n'a pas de rapport, en fait. C'est juste qu'ils n'ont jamais de fête. Les bofs, bofs. Ou alors, ils en ont trop. On n'en a pas un peu devant nous, des bofs, mais là. Si, d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on avait dit qu'on ne parlait pas d'eux non plus. Non, ce soir, il n'y a pas de public, il n'y a pas de bofs. Par contre, on en a vu. Hein. Ah oui. Isa, elle en a beaucoup, croisé, hein. Sacrément. Ah oui, sur le camion. Pour pas passer pour une mauviette, t'es devenu accro à la gonflette. Tu ne fais que pousser de la fonte pour que ton corps te fasse plus honte. Tu bouffes que des sachets, des trucs ultra protéinés. Et toi, tu souffres de dysmorphophobie. Tu souffres de dysmorphophobie. Toi, tu souffres de dysmorphophobie. Toi. Oui, dysmorphophobie. Moi, j'ai le blues. Moi, j'ai le blues du bof. Ton 06, c'est ton passeport, sans lequel t'as perdu le nord. T'as peur si tu dois raccrocher, d'être à jamais déconnecté. Ça risque pas, mon bonhomme, vu que t'es soudé à ton smartphone. Eh ouais. Hey, toi, tu souffres oui. De solophobie. Ah oui, toi, tu souffres de solophobie. Toi, tu souffres de solophobie. Eh oui, toi, solophobie. Moi, j'ai le blues. J'ai le blues du bof. T'as tout vu, tu sais tout sur tout. T'es un génie, faut que je l'avoue. Faudrait que je reste à ma place, sinon c'est sûr que ça t'agace. Comme toujours, t'as raison. Vaut mieux que je me taise. Sinon, toi, oui. Tu souffres d'infériophobie. Oh là là, toi, tu souffres. Toi là-bas. Toi, tu souffres d'infériophobie. Toi, infériophobie. Moi, j'ai le blues. Moi, j'ai le blues du bof. 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 Ta mère, ah ouais, elle qui est la reine, la serpillière de la daube et du riolet. Ta petite bobonne de son plein gré, tu la vénères, pourquoi pas. Tatouer son petit nom sur ton bras. Ah ouais, toi, j'ai le blues du bof. Moi, j'ai le blues. Le blues du bof. Le pauvre quand même. Faire ceci, faire cela. Je vais le faire tout de suite.
Mon bébé mange tout seul, déjà fait ses lacets, c'est lire et compter. Mon bébé n'a pas de papa, je l'ai acheté au supermarché. Je suis allée acheter un bébé au magasin, c'était pas cher. Entre un baril de ma lessive et 5 kilos de pommes de terre. C'était la saison d'enfer sur ce ose faire. Je suis allée acheter un bébé au magasin, ça y est, je suis mère. Il sera grand, toujours bronzé, musclé, blanc aux yeux verts, comme sa mère. Avec les options nécessaires, mais il s'appelle Roger. Mon bébé mange tout seul, déjà fait ses lacets, c'est lire et compter. Mon bébé n'a pas de papa, je l'ai acheté au supermarché. Mon bébé parle quatre langues, même javanais. Il est très doué, très doué. Le seul souci, c'est le choix des langues. J'ai beau paramétrer, y a pas le français. Je pense me mettre à l'anglais. Hello, goodbye, ok. Il restait plus que de couleurs, c'est ça les fins de stock. J'ai pas eu choix, pas eu choix. C'était soit blanc, phosphorescent, jauni ou bien du vert, vert cacadois. Mais le blanc c'est salissant, I prefer the vert. Mon bébé mange tout seul, déjà fait ses lacets, c'est lire et compter. Mon bébé n'a pas de papa, j'ai acheté au supermarché. Au moment de déballer, j'ai remarqué un truc. Un truc au bras, c'est pas très grave, ils ont simplement inversé le gauche avec le droit. Je pense qu'il s'habituera, c'est déjà bien de bras. Je suis allée acheter un bébé au magasin, c'était pas cher. Mais finalement, est-ce que j'ai fait vraiment ce qu'on appelle la bonne affaire? La promo finissait hier, je vais garder mon Roger. C'est pas super grave d'en prendre un déjà tout fait. Merci. Non. Mais c'est pas moi, c'est pas au caméraman. C'est du recyclage en plus. C'est pas au caméraman. C'est écolo. C'est pas. Non, mais c'est pas super grave. Non, c'est pas super grave. Non. Pour être une femme d'aujourd'hui, il faudrait avoir plusieurs vies. Le pouvoir de tout maîtriser, le Kama Sutra, les tétés. Savoir parler de l'un ou trois et tous les mardis, la zumba. Faut assurer sur tous les fronts, moi je peux pas même quand je suis à fond. Je suis pas feignante sur les bords, il faut que je m'organise alors. Pourquoi pas remettre à demain ce qui était pourri hier matin. Là c'est super grave je crois, c'est super grave je crois. Je me mets à faire n'importe quoi. C'est super grave je crois, là je me reconnais pas. Je suis dépassée, je fais n'importe quoi. Dans le salon, c'est le trafalgar. Je suis au milieu du bazar. Matin, quand j'arrive au bureau, c'est à peu près le même topo. Mon chat et ses locks sur le dos ont pris la teinte blanc crado. Les moutons sous le canapé, belles et broutent le plancher. C'est pas que j'aime pas quand ça brille, c'est pas que je suis une mauvaise fille. Je crois que ma spécialité, c'est le bordel organisé. Là c'est super grave, je crois, c'est super grave, je crois. Je fais encore n'importe quoi. C'est super grave, je crois, là je me reconnais pas. Je fais un craquage, je fais n'importe quoi. Super grave, je crois, c'est super grave, je crois, je faisais déjà. Non.
n'importe quoi. C'est super grave, je crois. Là, je me reconnais pas. Je fais vraiment, vraiment n'importe quoi. Je traite les flics de gros tas. Je me tartine de Nutella. Je réécoute la lambada. Je me suis abonnée à la croix. J'ai confondu mes céréales avec les croquettes du chat. J'écris au Dalai Lama. Je me fais un lavement au coca. J'ai une gomme au curcuma. Je m'attaque le foie à la vodka. J'ai dit oui, un plein à trois. J'ai écrasé ton petit chat. Petit chat, petit chat. J'ai pas freiné devant l'école. Zappé le tram lundi dernier. Fait un gros fuck au plongée. Et puis un biberon à l'alcool. Faut savoir qu'avec la pénurie, j'ai pas pu me reconnecter. Respirer à poil sur la lune avec les filles 80B. Ah, j'ai pas freiné devant l'école. Zappé le tram lundi dernier. Fait un gros fuck au plongée. Fait un gros fuck au plongée. J'ai copié ça avec la pénurie. Si t'es pas content, je te mets un. C'est super grave, je crois. C'est super grave, je crois. Je me mets à faire n'importe quoi. C'est super grave, je crois. C'est super grave, je me mets à faire. Mais te prends pas la tête, fais comme les hommes. Une seule chose à la fois. Une chose, c'est bien. Ça, c'est sans bien. Transition, là. Il y a des sujets bien plus, okay. bien plus graves. On peut faire les impôts, s'il est fait. S'il fait que ça, on peut s'en sortir. Déjà, l'amour, c'est grave, mais faut qu'il trouve la l'argent... L'amour, c'est pas toujours grave, quand non. même. Mais l'argent, c'est plus grave. C'est pas l'argent qui est grave, les impôts, c'est grave. Tu peux arrêter de lever les bras, en fait, trop haut. Ça y est, c'est arrivé, j'ai reçu l'imprimé, l'enveloppe plastifiée, annotée trésor public. Certes, il est pré-rempli, mais j'ai tout à modifier. Certes, il est pré-rempli. Ah ouais, mais là, je suis désespérée, hein. T'as du temps, tu peux pousser, t'es soigné, tu vas le ranger dans le dossier important. Faut que je m'y colle sérieusement. Balabalabalaba, je m'y colle, sérieusement. Balabalabalaba, je m'y colle, sérieusement. Si la ligne 704 est ferrée à 702, reportez le montant de la ligne 705 plus les 10 700 euros de la ligne 703. J'y comprends rien. Si la ligne 703 est supérieure ou égale à la ligne 702, reportez le montant de la ligne 705 plus les 10 700 euros moins la ligne 702. Non, j'y comprends rien. Là, ça devient compliqué et tu ne peux plus esquiver. Je crois que je vais les appeler. C'est sûr, ils vont t'expliquer. Explique-moi. Explique-moi. Je tombe sur une boîte vocale. Oula, je sens mal. Ça sonne. Oui. Bonjour, vous êtes bien au Trésor public. Nous sommes ouverts tous les jours, le mardi, de 10h à 10h10. J'ai des heures à récupérer, je pars. Bonjour. Si vous êtes un professionnel, appuyez après la touche dièse. Si vous êtes un professionnel, tapez 1. Et si vous êtes un particulier... Allô ? Ah, ça a coupé. Vous allez tous vous faire enfler de toute façon avec le prélèvement à la source. Hein. Ça a coupé. Moi, ce que je veux, c'est le bon service. Qu'on m'explique la notice, que l'on m'aide à déclarer les revenus que j'ai gagnés, et voilà. 8 minutes d'attente avec la musique classique en fond sonore. Soyez télédéclarants, gagnez 20 euros par an. Et voilà, ils veulent que j'aille sur Internet. En même temps, tout le monde va sur Internet maintenant. Il n'y a plus la version papier, Isa. Mais bien c'est sûr. Hyper has-been.
va surfer sur le web. 14 heures avant minuit et j'ai toujours pas fini. 10%, 10%, tu paieras les 10%. Me voilà toujours aux douilles. Ah non, mais vraiment, ça part en... ça part en... 10%, 10%, non. Tu paieras les 10%, 10%, 10%, tu paieras les 10%. Faut respecter les délais, sinon tu seras taxé. Ils vont pas m'emmerder, je prends une enveloppe antidatée. Antidatée. Non, Isabelle, c'est dématérialisé, tu l'envoies plus. Ah, je peux pas tricher. Et peut-être pas toi la blonde en fait. Tu cliques, Isa. Ok. On est donc avant minuit. Je cherche le bouton envoi. Je trouve pas. On est tous des couillons, tous à se faire du mouron pour un papier imprimé qui est même pas bien complété. Faut respecter les délais, sinon tu seras taxé. J'ai validé, j'ai cliqué. Et si on a de la veine, on recommencera. L'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Ah, mais voilà. Oh, c'est presque fini. Putain, un peu de son là, ça va mieux quand même. Je crois que c'est bientôt fini. Hein. Et, t'aurais pas vu mon concombre? Je le cherche et j'en ai besoin. Et là, tu l'aurais pas vu? Je crois qu'ils l'ont pris à la régie, le concombre. À Nico ou à J, ouais. Peut-être. Je sais pas. Ouais, les gars, franchement. Ils n'ont pas le droit de parler. Bon, peut-être. C'est embêtant quand même pour cette chanson. C'est hyper important. Tant pis, Isa, c'est du direct. On peut pas se permettre de perdre du temps. S'adapter, tu vois. C'est foutu, Isa. Bon, d'accord. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Tu pourras t'en acheter deux si tu veux. Okay, que pour okay, toi. Ok, ok, ok. C'est bon. Mon patron m'a donné une prime. J'ai couché, y'a que ça de vrai. J'aime tout ce qui est pimenté. Cuisine et sexe, c'est mon régime. Légumes et sport comme art de vivre. C'est la recette qui m'enivre. Sucré, salé ou sur les braises. Et les jambes entre parenthèses. Entre parenthèses. Je prends des tomates, un peu de poivron, quelques aromates. Et puis un oignon, je mixe tout ça, ça se mange froid. Moi qui aime les gars bien chauds, t'adores aussi le gazpacho. Gazpacho, 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 gazpacho. Aussi le gazpacho. Aujourd'hui ce sera gratiné. C'est bientôt l'heure de manger une salade assaisonnée ou un bourbon très bien gaulé. J'aime les plaques de chocolat fort et tendre à la fois. Elles vont me fondre sous les doigts. J'ai les papilles qui s'émoustillent. Et la cerise qui me titille. Je prends des tomates, un peu de poivron, quelques aromates, et puis un oignon. Je mixe tout ça, ça se mange en dans les filles. Je suis désolée, mais on a oublié le concombre. On peut pas faire un bon gazpacho sans le concombre. Il est là, c'est pas faux. C'est pas faux. Il est donne-le là. À Fanny, génial. Tiens. Merci. Tu sais où le mettre, Fanny? Allez. Je prends un concombre, un peu de poivron, quelques aromates, et puis un oignon. Je mixe tout ça, ça se mange froid. Moi qui aime les gars bien chauds, t'adores aussi le gazpacho. Gazpacho, 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 gazpacho.
Elles sont super pétillantes, les filles des muffins qui étaient donc sur la scène du Palais Beaumont. Une scène qui était un peu particulière dimanche pour la fête de la musique parce qu'en réalité, il n'y avait pas de public, ou plutôt si, il y avait vous. Vous qui nous avez suivis, nombreuses et nombreux, sur Pau.fr, sur les réseaux sociaux, associés à cette fête de la musique totalement originale, réinventée, souhaitée par la ville de Pau, au regard évidemment de l'envie que nous avons tous, les uns et les autres, de partager, de célébrer la musique, mais au regard également des conditions tout à fait particulières, des gestes de prudence qu'il faut garder au regard de cette épidémie du Covid-19. Donc vous avez bien compris qu'elle n'était pas encore tout à fait passée, même si, on ouvre largement les portes, on se balade, on peut même traverser la frontière espagnole depuis le début de la semaine. Oui, ce qui n'empêche qu'on va essayer de garder la primeur de nos achats aux commerces locaux, aux cafetiers, aux restaurateurs, garder nos loisirs également sur ce territoire, partager de bonnes infos pour permettre à ceux qui ne connaissent pas encore le Béarn et les Pyrénées Atlantiques de venir nous y rejoindre cet été. C'est pour cela qu'on a conçu également cette deuxième génération de Bonsoir le Béarn, durant laquelle vous allez pouvoir chaque soir découvrir au travers de notre jeu des commerçants, des sites touristiques, des lieux où il fait bon vivre, des endroits où on pratique du sport. Vous allez découvrir tous ces endroits, mais vous allez jouer surtout avec ceux qui en ont la responsabilité afin de tenter de gagner de très nombreux cadeaux, des entrées évidemment pour ces différents endroits, mais aussi une cagnotte composée de quelques 250 euros de bons d'achat, du moins à l'heure actuelle, puisque cette cagnotte peut atteindre 4000 euros en grossissant tous les soirs d'émission de 50 euros. Donc demain, on aura une cagnotte à 250 euros et si elle n'est pas gagnée, on aura une cagnotte vendredi de 300 euros et ainsi de suite pour jouer www.lachaînelocale.net. Pour se quitter, je vous propose de partager des clips musicaux qui ont été envoyés par les habitants de la ville de Pau ou du moins par ceux qui, au niveau culturel, s'illustrent au cœur de la ville. La compagnie Bizane, par exemple, avec Christine Saint-Cric. Depuis 2004, cette compagnie a su s'imposer au fil des années grâce à des cours, des ateliers innovants, des spectacles hauts en couleur. Et alors la compagnie Bizane, ils nous ont inondés, dans le bon sens du terme, d'extraits de spectacles, de productions vidéo réalisées par leurs soins. Voici l'une de ces productions vidéo enregistrées du côté de la scène du spectacle Welcome to Cabaret. Il s'agit de Monhomme. C'est Miss Tinguette qui chantait Monhomme. Et la voici réinterprétée, cette chanson, par la compagnie Bizane. Ensuite, on change de style et on part dans une ambiance plus rock, vous allez le voir, plus rockabilly d'ailleurs, avec The Outsiders. Ils étaient présents dimanche pour la fête de la musique, programmée par le service culture de la ville de Pau. Ils sont ce soir également dans Bonsoir le Béarn. Allons-y. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur en mon homme. Dans la peau.
entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous ces hommes. La femme à rire n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les bars j'ai couru afin d'oublier, j'ai pu mais rien à faire. J'ai pas pu quand il dit bien, c'est comme un chien. Y'a pas moyen, c'est comme un lien qui te retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingue. Que celle qui n'a pas aussi connu ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est pire des mots, mais c'est connaître l'amour. Voilà pour cette dernière partie d'émission et ce dernier hommage à la fête de la musique, cette dernière rétro des meilleurs moments de la fête de la musique, enregistrée donc dimanche ici depuis le cœur du pavillon des arts, que l'on va retrouver demain pour une émission normale, demain jeudi, mais également après-demain vendredi. On va revenir aux bonnes vieilles habitudes avec l'info à la fois agricole, économique, culturelle, sportive, associative, bref, tout ce qui fait le piment d'une vie quotidienne en Pyrénées-Atlantiques et en Béarn en particulier, que l'on retrouve
chaque soir dans Bonsoir le Béarn, cette émission vitrine des initiatives, vitrine des idées, vitrine du dynamisme du Béarn. Bonsoir le Béarn, produit par les équipes de Créa Sud. Rendez-vous demain à partir de 18h, 18h, 19h pour celles et ceux qui sont en direct. Ils ne sont pas nombreux, hein, pour être franc, vous n'êtes pas nombreux sur le direct depuis que l'été a démarré. Par contre, vous êtes toujours nombreux à nous suivre en replay. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle vous consommez cette émission, vous êtes toujours, toujours, toujours les bienvenus. Et quelle que soit l'heure à laquelle vous nous regardiez, vous pouvez jouer avec nous, www.lachainelocale.tv. Quel que soit le jour que vous choisissez pour regarder cette émission, enfin du moins jusqu'au 10 septembre 2020, hein, si vous nous regardez là en replay, je ne sais pas, peut-être vous exhumez ça d'une vieille archive, nous sommes en 2070, et là il nous dit, le gars au micro, mais oui, il faut jouer, non, 2020 jusqu'au 10 septembre, vous jouez avec nous, www.lachainelocale.tv, afin de gagner tous les soirs une cagnotte composée de bons d'achat pour commerce et quelques 120 cadeaux du côté de notre jeu Le Mur de la Chance, qui demain sera la conclusion de l'émission. Rendez-vous demain, 18h, d'ici là, très belle soirée, profitez de celle-ci, salut.